Les protéines de notre corps, formées à partir de notre ADN, sont responsables de l'absorption, distribution, métabolisme et excrétion des médicaments. Puisque nous avons tous notre propre ensemble de gènes, nous sommes tous génétiquement différents. Et donc, nos corps diffèrent également dans la façon dont nous réagissons aux médicaments. Notre corps comporte de nombreux types différents d'enzymes cytochrome P450, également appelées des enzymes CIP. Mais quelle influence ont-elles sur le nombre d'effets secondaires que vous ressentez? Imaginez que notre corps soit une usine. Les enzymes CIP y sont comme de petites machines qui aident à éliminer et traiter les différentes substances, surtout les médicaments. Elles fonctionnent dans notre foie et d'autres parties du corps. C'est leur tâche de transformer et de briser en petits morceaux le médicament que vous avez absorbé, ce qui permet à votre corps d'utiliser ou d'éliminer ces morceaux plus facilement. Chaque individu a des versions un peu différentes de ces enzymes. Certaines personnes ont des machines super rapides qui éliminent très rapidement les médicaments, alors que d'autres personnes ont des machines très lentes. Vous pouvez comparer cela avec un tapis roulant rapide ou lent dans une usine. Si, par exemple, vous avez des enzymes CIP très rapides, il est possible qu'une dose régulière d'un médicament ne soit pas suffisante pour vous parce que votre corps l'élimine trop vite. D'autre part, si vous avez des enzymes CIP lentes, une dose normale peut être trop forte pour vous car votre corps a besoin de plus de temps pour l'éliminer. Cela peut entraîner une toxicité médicamenteuse et des effets secondaires dus à l'accumulation de médicaments dans le corps. Les enzymes CIP ne sont pas les seuls gènes qui influencent le métabolisme des médicaments. Consultez également, s'il vous plaît, tous les autres gènes qui font partie de notre test pharmacogénétique.